Je pense que ça résume exactement ce qu'il faut faire aujourd'hui. On sait que ça ne va pas être facile, comme tous les autres matchs. On sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on doit faire. Mais par contre, il faut le faire. Et il ne faut pas attendre que l'une ou l'autre d'entre vous le fasse. Il faut faire en sorte que l'équipe le fasse. Et quand je dis l'équipe, j'englobe ici les 18 joueuses qui sont ici, qui à un moment donné vont pouvoir, vont devoir sans doute rentrer et devront faire en sorte que ça se produise. Bienvenue au Cornaredo pour cette rencontre qui pourrait être décisive pour les Servettiennes face au FC Lugano. Attention, le centre de Maïva Sarrazin pour la reprise de l'Agonia et goal. Goal des Servettiennes. L'Agonia ouvre la marque ici au Cornaredo, 1-0. L'arrêt de Teltan, de nouveau magnifique, la gardienne Servettienne. Et goal, 2-0, Maïva Sarrazin. Les Servettiennes ont le match en main ici au Cornaredo. Ils volent vers une victoire plutôt tranquille. Vamos, Marta Pero, 3-0 pour les Servettiennes ici au Cornaredo, c'est magnifique. Réveille le poteau et Panier et goal. Goal 4-0 pour les Servettiennes. Un festival ici, c'est ça. Les Servettiennes confortent leur avance en tête du championnat et le match mercredi prochain face à Young Boys sera décisif au Stade de Genève.